Alors, voilà l'activité que j'ai de temps en temps. Voilà. J'ai fait mon arbre généalogique depuis déjà un bon moment, 3, 4, ouais, 3, 4, même 5 ans peut-être. Donc, je voulais partager ça avec vous, vous montrer un peu ma petite famille. Voilà. Donc, pour vous montrer un peu jusqu'où je suis remontée. Là, là, du coup, on est du côté de mon papa, si je ne me trompe pas. Voilà. Bon, vous voyez, j'ai encore des personnes à rajouter hein, dans les cases. Je n'ai pas terminé. Hein. Mais bon, un petit peu à la fois, ça vient. Il y a du monde, il y a du monde. Là où il me reste 10 personnes à mettre encore. On revient sur mon papa. Alors, sur qui je viens maintenant? Allez, sur ma grand-mère, donc la maman de mon papa. Donc, comme vous voyez en bas, elle a d'autres enfants, mais c'est d'un remariage. Donc, le beau-père de mon papa, qui est mort, lui, il est mort à la guerre. Voilà. Oups, j'ai cliqué où il fallait pas. Donc là, pareil, j'ai encore des cases à remettre, à remplir. Ça, c'est ce que j'ai fait ce week-end. Mais bon, c'est compliqué, hein, quand c'est vrai que moi, j'ai toujours eu une famille assez restreinte. Je connaissais pas, on n'était pas une famille à aller chez l'un, chez l'autre. Donc, moi, j'ai toujours été dans mon petit groupe. Ma mère, mon père, ma grand-mère maternelle, mon grand-père maternel, le frère de ma mère. Voilà, c'est tout ce qu'on connaissait, ce que moi, je connaissais. Donc, ça me fait bizarre de voir autant de monde sur un arbre généalogique. Là, voilà, il manque encore des personnes à rajouter. Quand c'est coché, c'est parce que je vais les rajouter. Allez, on retourne en arrière. Hop, hop. Là, maintenant, sur ma maman. Alors, sur ma mère, donc là, vous voyez, là, il y a une branche qui n'est pas du tout remplie. Donc, c'est mon grand-père maternel. C'est une branche qui est très compliquée à remplir. C'est une branche italienne. Mon grand-père est d'origine italienne. Et c'est très très compliqué à remplir cette branche. Là, j'ai réussi à trouver les arrière-grands-parents,
mes arrière-arrière-grands-parents et mon arrière-grand-mère. Et ça coince ici. Voilà. À mon arrière-grand-père, je n'ai plus aucun renseignement arrivé à ce niveau-là. Mon arrière-grand-père, je n'ai rien. Je n'ai aucune date. J'ai pas de date de naissance. Je n'ai pas de date de décès. Je n'ai strictement rien. Je n'ai que ses deux prénoms, son nom. Et c'est fini. Je n'ai plus rien. Et j'ai pas les noms des parents. J'ai rien du tout. J'ai beau chercher, 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 je ne trouve pas. À croire qu'il a disparu de la circulation, je ne trouve vraiment nulle part. Donc c'est vraiment très compliqué, la branche italienne. Si jamais quelqu'un d'entre vous a des entrées sur l'Italie, prenez contact avec moi si vous voulez par email, si vous pouvez m'aider pour cette branche-là. Ça m'aidera vraiment beaucoup, 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 parce que là, je suis complètement coincée. Je ne peux rien faire. Là, même au niveau de mon arrière-grand-mère, bah, après je ne peux plus, à part ses parents, après je ne peux plus rien faire non plus. Au niveau de l'Italie, c'est vraiment compliqué pour avoir des renseignements. À moins d'aller sur place peut-être, mais là, bon, moi j'ai pas les moyens d'aller sur place. Alors ici, maintenant, on va aller sur la branche de ma grand-mère, donc la femme de mon grand-père, bien sûr. Donc là, il y a son papa, mon arrière-grand-père. Donc il y a une photo du monument. J'ai trouvé une photo du monument aux morts. Il est dans le village ici à côté, donc j'avais pris une photo. Son nom était inscrit dessus. Oups. Donc là, c'est pareil, il me reste des personnes à trouver, mais bon, je vais trouver, finir par trouver. Bon, il y a des dates quand même que j'ai réussi à remonter quand même assez loin, jusqu'à des 1700, 1600. Mais alors, ce qui est compliqué aussi, c'est dans ces dates-là, dans les 1700, 1600, c'est de relire les actes de naissance, enfin n'importe quel acte civil. C'est super compliqué de les relire. De relire leurs écritures qu'ils avaient avant. Des fois, il faut déchiffrer, hein. Donc là, oui, il y avait pas mal d'enfants. 10 ou 11, je crois, je ne sais plus. Moi qui est fille unique, il y a eu des grosses fratries dans les familles d'avant, dans les branches d'avant. Donc là,
Mon grand-père, ma grand-mère, je retourne sur mon grand-père. Je suis omnibilée par mon grand-père. Alors là, c'est un truc de fou, vous voyez, ces deux personnes-là. On m'a toujours dit que c'était des cousins éloignés de la famille et qu'on ne leur parlait pas. Ils habitaient le même village que nous, donc ici à côté. Et donc ils ont le même nom que mon grand-père. Bon, donc moi je n'aurais jamais parlé puisque je... Et là, ici, en faisant l'arbre généalogique, je me suis aperçue que c'était les frères de mon grand-père. Donc voilà, bonne surprise. On m'a toujours dit que c'était des cousins éloignés, mais c'était les frères de mon grand-père. Une autre chose aussi que je recherche, c'est que j'ai toujours connu une sœur pour mon grand-père et elle, pareil, je n'ai aucune trace d'elle dans aucun document, alors que elle, je l'ai vue. Quand j'étais petite, je l'ai vue une fois à la maison. Donc, je sais qu'elle existe. C'est pas un fantôme. Et là, je ne l'ai dans aucun document. Donc, il a une sœur, mais je sais qu'elle a changé de nationalité plusieurs fois parce qu'elle était journaliste politique. Donc, elle a dû changer de nationalité plusieurs fois. Je sais qu'elle a eu un fils, donc qui est un cousin à moi, qui était émir à Damas, que j'ai connu également, que j'ai vu une fois dans ma vie, quand j'avais 10 ans. Donc, donc pareil, pas de traces, rien. Bon, on dirait à Damas, ça va être compliqué, hein. Mais la sœur de mon grand-père, je ne sais pas, j'ai pas de traces. Et là, je ne connais pas du tout son nom. Donc, ça va encore être plus compliqué à trouver. Donc, je sais pas, on va voir. C'est ça, je pensais qu'on était une famille normale, sans secret, sans rien, mais si, il y avait des secrets dans la famille. Pardon. Non, 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 Fifi. Oh là là, Fifi. Elle marchait sur l'ordinateur. Du coup, attendez, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je ne sais plus. Parce que je suis l'écran en même là, c'est mon parrain, donc c'est le frère. C'est le frère de ma maman. Voilà. Ici en bas, j'ai mes enfants. Mon fils qui habite à côté de chez moi. Donc là en bas, j'ai ses enfants. Voilà. Il y a ma belle-fille. Donc, j'ai mis sa maman, les parents, sa maman, son papa, les parents de son papa. Bon, là, j'ai pas toutes les dates de naissance. Mon deuxième fils, oui, voilà, mon deuxième fils. Avec mes petits-enfants, en dessous. Ma belle-fille, mon ex-belle-fille, et ici ma fille. Alors là, c'est plus compliqué parce qu'elle a non, 7 ou 8 enfants, je ne sais plus.
c'est mon fils que donc je vous disais que je vois régulièrement parce que mon premier fils et ma fille, eux ne me veulent pas me voir. Et donc ma fille a 7 ou 8 enfants. Et du coup, ben, là, sur l'arbre de généalogique, je ne sais pas les mettre, à part ma petite Kaliana que je connais, puisque je n'ai aucun renseignement sur eux. Donc, il va falloir que je recherche au niveau de l'état civil ben, les noms, les dates de naissance, etc., pour pouvoir les mettre dans mon arbre. Mais bon. Donc là, c'est. Là, je ne le connais pas, mais c'est le papa de la première. Voilà. Ça, c'est son conjoint actuel. Ça, c'est mon ex, on s'en fout. Avec ses parents. Voilà. J'ai pas été plus loin, ça. Ça, je m'en fiche. Voilà. Donc là, bon, j'ai quand même encore pas mal de personnes. Là, c'est le trou noir, là. Enfin, le trou blanc, là, pour l'Italie. Voilà, ici, la toute petite branche. Mais bon, j'ai beau écrire, j'envoie des emails dans les mairies italiennes, mais bon, là j'ai encore envoyé un email il n'y a pas longtemps, mais je ne reçois pas de réponse, c'est que très très compliqué. Ce qui est bizarre, c'est que vraiment, je ne vois aucune trace de mon arrière-grand-père nulle part. Mais bon. Ah oui, ben, il y a Chouchou aussi, hein. Je l'ai mis dans mon arbre. Donc j'ai mis son arbre. Là, il y a son fils, son papa, sa maman. Donc les parents de sa maman. J'ai mis également bah, son ex-femme, puisqu'il y a son fils, hein, donc son ex-femme est dessus, ça ne me dérange pas. Il y a son frère. Et il y a son frère et j'ai mis également, donc ben, alors après la branche de son papa. Qui lui est mort à la guerre aussi. Bon, je n'ai pas terminé non plus hein, de ce côté-là. Je fais un petit peu à la fois aussi. Et voilà, là, c'est les autres demi-frères et demi-sœurs de mon chouchou. Puisque sa maman, elle s'est remariée. Donc j'ai mis tout le monde, hein. Pas de jaloux. Donc voilà, je pense que je vous ai présenté tout le monde. Ah, donc bon là, c'est fait sur le site Généanet. Voilà. C'est un site qui est assez simple. Hein. Vous voyez, là, je peux imprimer si je veux. Donc sur ce site, vous pouvez trouver beaucoup de documents pour vous aider à faire votre arbre. Voilà, vous voyez quand on veut imprimer. Donc là, c'est la version classique.
Après, vous pouvez faire en version éventail. Mais ça, j'aime pas. La version éventail, je n'aime pas. Donc après, vous pouvez mettre plusieurs générations, de 4 jusqu'à 10 générations. Mais bon, la 10 générations, on voit rien. Donc on va en mettre 6. Voilà, vous voyez, 6, c'est déjà mieux. Et j'ai un trou là sur ma branche italienne. Je fais une fixette là sur ma branche italienne. Donc voilà, moi sur ce site, je vous disais, on peut trouver énormément de documents, des actes de naissance, de mariage, de décès, des actes dans les journaux, toutes sortes. Vous pouvez y avoir accès à ce site gratuitement ou alors en payant. Moi j'ai la version payante. On paye tous les trimestres 12,50 € et là, c'est là que vous avez accès à tous les documents. Voilà, c'est là que vous avez accès à tous les documents pour pouvoir vous aider à faire votre arbre. C'est vraiment superbe. Moi, j'ai vraiment trouvé pas mal de documents, d'articles de journaux, des actes de naissance, des actes de mariage. Vraiment dans toutes sortes, des actes militaires également, vraiment toutes sortes. Et donc, bon, 12,50 € par trimestre, c'est vraiment pas énorme. Ça vous fait quoi? Bon, 4 € par mois, 4,10 €, 4,20 € par mois, un truc comme ça. Bon, ça, c'est pas énorme. Donc voilà, je voulais vous montrer cette petite activité que j'avais. Entre deux. Voilà, je vous dis, ça fait 4-5 ans que je fais ça. Un petit peu à la fois, quand j'ai du temps, quand je m'ennuie. Bon, c'est rare que je m'ennuie, mais bon. De temps en temps, je rajoute quelques petites personnes dans mon arbre généalogique. J'espère que ça vous a plu. Ça a changé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous pouvez m'aider pour l'Italie, dites-le moi. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement. Au